Salut à tous, c'est Roku et voilà cette toute dernière ouverture Primal Clash Tidal Storm. C'est parti! Voilà, maintenant on connaît un peu toute la carte, toutes les cartes, mais j'aimerais beaucoup avoir quelque chose que je n'ai pas déjà eu. Bien sûr, quand je dis ça, je ne parle pas des holos. Ah bah déjà celle-là on l'a pas eu. Super sympa les dessins quoi. Alors Barbicha. Goubou. Lombré. Canotaur. Déjà un Kyogre EX. Donc on a déjà eu aussi. Encore un double. Décidément, certains diront tu n'as pas de chance. Mais très jolie carte. Puis bon, c'est un peu le Pokémon de l'édition, mais bon. Voilà, un double. Lanterne. Barpo. Dardarnion. Tentacool. Et Ludicolo holographique. Coupé n'importe comment, c'est vrai. Oh, un nouveau Pikachu cosplay. Non, je rêve où c'est écrit Madame Pikachu. N'importe quoi. D'inspiration robe française du 18e. On dirait une bergère. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une bergère. Je suis sûre que ça vient de la France, ce truc-là. C'est incroyable, ça me fait toujours rire. Non, parce que nous, si on adore le Japon, il y a beaucoup de Japonais qui adorent la France aussi. Staros, Coquille Perle, Coconfort... Parloche et une tempête. Oh, génial! Ah, elle est super belle! C'est tous les Pikachu cosplayers avec Flora et sa tenue cosplay. Ah, mais il doit y avoir Brice aussi, mais comme il a pas son chapeau, on le reconnaît pas. D'accord, c'est la tenue de Hard Rock et Flora la tenue de Lolita. Ah, elle est super jolie! J'aime bien. Moi, que ça peut faire une déco sympa, peut-être avec les cartes à code. Lien spirituel pour Méga Gardevoir. Je sais que ça commence par un G comme Galam, mais à chaque fois je veux dire Galam. Anchouette, Faucleur et Monsieur Mime, mais non. Et Hyporoi. J'ai eu l'espoir que ce soit une holo, mais non. Moi, je pense qu'on les a un peu toutes les holos là. Ah, Chartor. C'est pas n'importe quel Pokémon à chaque fois sur les cartes, c'est le Pokémon des champions. Alors, une corde sortie, Starrie, Spico, Hypocéan et Serpent holographique. Primo Kyogre. Delcati. Lampérois. Maril. Crapins. Oh, une qu'on n'avait pas. Hey, ça fait plaisir, ça commence à devenir... Bref, Wellord EX. Oui, c'est Wellmer après Wellord. Oh, c'est bizarre, on le voit jamais ouvrir la bouche comme ça. Hein. Donc ses dents, elles sont toutes d'un côté, quoi. Bon, c'est juste une baleine, en fait. Une baleine en très simplifié. C'est vrai. Non, ils sont pas... J'aime bien ce Pokémon parce que Wellmer, je le trouvais trop mignon. Une petite boule avec deux nageoires sur le côté. Donc du coup, je l'ai pris, je l'ai fait évoluer et après, il ne rentrait plus dans la Poké Récré. Pour te montrer à quel point il est grand. Ah, bon, on avait la team Magma, on n'a pas la team Aqua. Et ben voilà. Ah, vraiment ma team préférée. Le leader est vraiment classe et charismatique. On n'avait pas trop de personnages charismatiques pour l'instant. Staros, Lampérois, Obali. Trop heureux de vivre. Lupio et Rosabis. Oh, Mégalagon. Oh, qu'il est moche. Ludicolo. Kobu. Ninupio. Hippotrempe. Et Milobélus holographique. Travaille à la chaîne.
Alors, ça c'est un multi-XP, Tentacruel, Mascadrin, Tentacool et Azumarill. En rien du tout. Alors, Lanterne, Lombré. Oh là là, à chaque fois c'est le même. Coquille Perle, Skitty. Oh, ici mes œufs. Génial! Terminons par cette magnifique carte qui donne un set d'eau. Je me demande à quoi le servir. Barbicha. Fogler. Confort. Castorneau. Colmar holographique. Alors, Kimorse, Barpo, Lampérois, Paraloche, et Mathieu, ou Arthur, j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir. La Grande, Lupio, Hippotrempe, Aragdo, et bien spirituel de Primo Kyogre. Alors, bon ça va, il en reste encore 6. Six pour avoir une chance inespérée. Ludicolo, Spinda, Aspico, et Crapins, et Lagrone en holo. Professeur Seco, Kenotor, Phobio, Ninupio et Manaphy. Crozabis, Obali, Tentacool, Anchouette, et l'énergie fait plus que 4. Alors, Scoobaboul, Hypocéan, Maril, Starry et un stade. Bon, plus que 3 petits boosters. Roi, Skitty, Aragdo, Kenotor, il est mignon comme ça. Et un Sharpedo EX. Je savais qu'il y a quelque chose dans celui-là. Non, c'est faux, ok, je me suis dit ça pour tous les boosters. Ouais, il est sympa. Un peu spécial comme style de dessin, mais j'aime bien. Les cartes noires, en fait, c'est trop la classe. Bon, bah voilà, hein, les deux derniers boosters. Azumarill, Phobio, Tentacruel, Gobou et Rosabis. Tout dernier booster. Avant les cartes françaises. Ce sont pas des ouvertures franco-japonaises. Ça se complète après. Ah bah encore le Docteur Pikachu. Attention. Dernier suspense. Alors, Delcati, Lombré, Kenotor, Barpo, et encore elle, Azumarill, holographique. Un petit récap rapide, sans holographique, enfin sans nouvelles holographiques. En tout cas, doublon pour ce Kyogre EX. Et deux nouvelles EX, ça va, Sharpedo et Wailord.
Bon ben voilà, c'est tout pour cette ouverture et c'est tout pour Primal Clash. À très vite dans de prochaines ouvertures.